vendredi. Je me commène. Oh. Ah. Deuxième mi-temps, c'est un nouveau match qui commence, ok? Tu cherches à prendre le point, non? Ouais, là, ça va me toucher. Si j'ai un point, c'est deux points, mais si j'ai un touche, c'est un point, non? C'est bon. Allez, go. Ah, zéro point. C'est dangereux ça. Le coup d'envoi de cette huitième et dernière rencontre, cette huitième journée se clôture ce soir à Coubertin. Le Paris Saint-Germain affronte Aix-en-Provence. La défense 0-6 pour Aix, Lucas Ballot de retour à l'aile, ça va de l'autre côté, Dylan Nahi, angle très important, que c'est bien joué cette première attaque parisienne par Nicolas Karabatic. Cette fois c'est Sander Sagosen qui s'impose dans le duel, changement de dispositif défensif, très bien recruté, là. Parfait, ou presque, et ça va aller vite, ça va aller vite. Il se trouve sur son chemin, Rodrigo Corrales qui lance l'offensive derrière, et en l'espace d'un instant, Paris revient et recolle à 10 partout. Alors que pour Aix, les rotations sont... Parler de la performance de Rodrigo Corrales, et c'est pour ça finalement que l'écart est aussi important à la fin, parce que tout simplement Paris a été sans pitié. Oh, superbe, voilà. Exceptionnel. Oh. La passe, l'inspiration de Sagosen, alors ça avait été annoncé évidemment, on va revoir tout ça. Regardez, elle est incroyablement tendue cette passe, la prise d'une main pour Gudjon Valur Sigurdsson, et derrière la roucoulette. C'est ce qu'aura reçu ce soir Aix-en-Provence en venant ici à Paris. Et une nouvelle fois, le spectacle offert par les Parisiens. Bien passé. Très bien. Les relances étaient propres. Nickel. J'ai tenu mon rôle. Ouais, c'est satisfait de ta prestation alors. Quelle prestation? Ils vont perdre parce que je suis pas là.
On en reparlera à la fin du match. Ah, mais tu vois, ils sont en panique. Ils sont tout le temps en défense, ils n'arrivent pas à s'en sortir, tu vois. Interception, bam. Oui. Oh, c'est libre. Si j'avais été là, ça serait jamais passé comme ça. Je sais que devant, je suis nul. Je connais ma place derrière. Parfois, ça m'arrive de faire quelques percées, mais... C'est vrai. Pas souvent. Hein. Je m'abstiens. Vincent Gérard, il avait choisi de croiser son tir. Attention, ça va aller vite. Et attention sur la diagonale. La vitesse de Lucas Ballon. Et le spectacle pour la conclusion de cette contre-attaque lumineuse. À la vitesse de la lumière. Et regardez, le talent fait le reste pour le génie Lucas Ballon. Infériorité numérique. Nedim Remili qui a gagné son duel face à Mathieu Grébi. Et le but sans doute pour sceller définitivement la victoire du PSG. Avec un nouveau... On part, ciao.